chez moi. Merci Seigneur de nous soit glorifié à jamais. Prends la place du roi au milieu de nous. Prends la place centrale au milieu de ton peuple. Toi, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous restaure. Toi, le Dieu qui nous rend capables, c'est toi que nous adorons. Toi, le Dieu qui a un plan, un destin pour chacun de nous. Toi, le Dieu qui nous a donné des missions sur la terre. Toi, le Dieu qui nous veut du bien. C'est toi que nous invoquons. Oh, tu as créé toutes choses. Et merci d'être avec ton peuple ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez bien vous asseoir, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Nous allons commencer notre campagne d'études bibliques. Et j'aimerais nous dire que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je suis convaincu que ce que Dieu va nous révéler pendant ce temps va affecter tout notre avenir et notre conduite et notre marche avec Dieu. Parce que le Dieu du Logos est le Dieu du Réma. Il va continuer à nous montrer ce dont nous avons besoin afin d'accomplir nos destins. Donc je vous encourage à tenir bon et à être ouvert aux révélations des principes de Dieu. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, le thème de ce mois est très important. Nous allons parler tout le mois, Dieu voulant, autour du projet de Dieu et ton destin. Alors vous comprenez que tout ce que nous allons apprendre pendant ce mois est capital du fait que les raisons pour lesquelles vous êtes sur la terre.
Les raisons pour lesquelles Dieu vous a créé. Dieu ne vous a pas créé pour rien. Il a des pensées et il a des projets sur vous. Et tant que vous vivrez en dehors de ces projets-là, vous êtes errants. Et tant que vous n'avez pas encore découvert votre destin pour le vivre, votre vie n'a pas de sens. Et votre vie n'aura de sens que quand vous vivrez selon ce que Dieu veut que vous puissiez vivre. C'est pour cela que je suis en train d'insister de sorte que chacun de nous sache que ces enseignements sont importants. Ça touche à notre raison d'être. Ça touche à notre mission. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Il y a des choses, je l'affirme, qui ne vous sont pas encore arrivées parce que vous n'avez pas encore entendu cet enseignement. Je dis ceci. Il y a des choses qui ne vous sont pas encore arrivées pour que vous accomplissiez votre destin du fait que vous n'avez pas encore les révélations que vous allez avoir maintenant. En d'autres termes, les révélations que nous allons avoir pendant ce temps vont ouvrir la porte et précipiter certaines promesses de Dieu. Parce que nous allons prendre des décisions qui s'imposent. Et nous allons vivre comme Dieu veut que nous vivions. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. Bien-aimé, lisons Jérémie 29, 11, le texte que nous connaissons bien, le texte de base de ce grand thème du mois. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Jérémie, chapitre 29, verset 11. C'est Dieu qui parle. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets qu'il a formés. C'est lui qui les a formés. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Ce n'est pas votre professeur d'école, ce n'est pas votre père ni votre mère. C'est Dieu qui a formé des projets sur vous. Ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas quelqu'un qui peut dire dans la chair qu'il a formé des projets, c'est Dieu lui-même. Et le Seigneur nous dit, ce sont les projets de bonheur. Les projets de paix. Et non de malheur. Tout cela pour vous donner un avenir. Et de l'espérance. Mes frères et sœurs, quand je lis ce texte, en y ajoutant 1 Corinthiens chapitre 2, 1 à 10, 1 Corinthiens 2, 1 à 10, la Bible dit, c'est Paul qui parle. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. C'est Dieu-là qui a formé des projets pour vous. Dans ces projets-là, pour vous les témoigner, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Oh, c'est le mois de Pâques. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, dans un état de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi cela? Afin que votre foi fût fondée. Dis avec moi, fondée. Et fanda. Oui, nous allons parler des fondements de notre foi. Valentine a beaucoup. Fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse
qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Il y a quelqu'un qui va entrer dans sa gloire. Il y a une sagesse que Dieu nous révèle destinée pour notre gloire. Cette sagesse-là, c'est une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les ayant révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. N'est-ce pas accueillir la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit? C'est lui qui va nous aider à sonder. C'est lui qui va nous aider à accéder aux révélations. Bienvenue au milieu de nos chers. Aide-nous à sonder les profondeurs de Dieu. Afin que nous puissions accéder à ce projet de bonheur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ces choses me font toujours tressailler. C'est comme si c'était ma première fois de les entendre. Vous savez, nous avons vu que nous avons besoin d'avoir des racines, d'avoir des bases, d'avoir le fondement. Et dans Matthieu 7, 24, 27, la Bible nous dit, Dieu nous dit, Jésus dit à ses contemporains, celui qui écoute ces paroles, mais qui ne s'arrête pas à les écouter, mais qui les met en pratique, est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Mais c'est lui qui les écoute, qui ne les met pas en pratique. Nous le comparons à un insensé. Parce que tous les deux vont construire. Tous deux vont faire élever leur construction. On va les regarder monter. Mais les vents viendront. Les oracles viendront. Les tempêtes viendront. Les pluies vont battre contre cette construction. C'est là qu'on verra la différence entre les deux constructions. Celui qui est bâti sur le roc, il va tenir. Et celui qui n'a pas tenu compte du rocher, c'est-à-dire qui a refusé de mettre la parole de Dieu en pratique, la Bible dit, sa construction va tomber et sa chute sera grande. Ça, ceci est valable dans tous les domaines de nos projets de la vie. Si celui qui bâtit une maison bâtit seul, c'est en vain qu'il bâtit. Si la sentinelle qui garde, garde seul, c'est en vain qu'elle garde. Il est donc important, mes frères et sœurs, de nous laisser accéder aux révélations divines pour fonder nos vies, fonder nos mariages, fonder nos entreprises, fonder notre ministère, bref, fonder tout ce que nous voulons fonder en sachant que les épreuves viendront sûrement. Et pour que nous puissions tenir, la résistance, la force, l'équilibre se trouvent dans la qualité de la fondation. Quand je témoignais ici sur nos frères et sœurs qui sont allés ailleurs, peut-être que la plupart en vie parce qu'ils sont en Europe, parce qu'ils sont aux États-Unis, parce qu'ils sont au Canada, parce qu'ils sont en Afrique du Sud, je ne sais pas. Mais je vous ai dit que nous trouvons dans ces mêmes frères
Mais même si de qualités de vie différentes. Il y en a qui ne rentrent pas juste parce qu'ils ont honte de rentrer, parce que les gens verront, mais pourquoi ils sont revenus. Mais quand vous le voyez vivre là-bas, vous dites, mais est-ce que ça vaut la peine de vivre comme ça? Mais il y en a qui ne rentrent pas parce qu'ils sont maintenant bien assis et leur vie est meilleure. Et quand vous regardez le résultat, vous analysez à foi, vous vous rendez compte que ces personnes... Leur vie dépend de la manière dont ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Il y en a qui sont partis jusque pour partir, mais qui arrivaient là-bas. Ils vivent comme tout le monde. Donc leur foi n'est pas basée, fondée sur la parole de Dieu. Et ça n'étonne pas qu'on les voit vivre ce genre de résultats. Et il y en a qui, malgré les épreuves et les difficultés, ils s'accrochent à la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu les bénit. Et cela, mes frères et sœurs, nous le voyons aussi sur le type de personnes avec lesquelles ils se sont entourés. Vous savez, les mauvaises compagnies, dit la parole de Dieu, corrompent les mœurs. Il y a des personnes aujourd'hui qui, ici, c'était des bons serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. Mais là-bas, vous commencez à voir que c'est eux qui organisent les concerts avec les musiciens du monde. C'est eux qui font les mécénats et tout le monde et de tout ce qui se passe de mauvais. Et alors, ce genre de personnes, quand vous regardez leurs amitiés, leurs fréquentations, leurs relations, ils ne veulent même plus s'approcher des enfants de Dieu. C'est comme s'ils se jugeaient eux-mêmes du fait qu'ils vivent de cette manière. Mais vous verrez d'autres. Parce qu'ils ont eu à comprendre que si je suis là où je suis, c'est grâce à Dieu. Et bien, ils soignent leur entourage. Ils sont dans la maison de Dieu. Et vous voyez, Dieu les bénit. Mes frères et sœurs, nous venons de lire ce thème, ce texte ici. Que Dieu a des plans pour nous. Il a formé des projets pour un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, au vu de tout cela, nous allons, pendant ces trois jours, prendre un aspect important dans l'accomplissement de ce projet de Dieu. Nous allons parler du destin et les amis du destin. Nous parlons des amis, Baninga, le destin et les amis du destin. Lobi malamu na yopi baninga obozo kota mwana bango. Quelqu'un n'a pas compris pour dire amen. Amen. Le destin et les amis du destin. Lobi na yopi baninga obozo kota mwana bango na lobi na yopi. Bien aimé dans le Seigneur. Baniko baninga mi. Les relations humaines sont très déterminantes dans la vie et l'accomplissement du destin d'un homme. Les amitiés, les personnes avec lesquelles on entre en alliance ou en amitié, en relation, sont très déterminants dans l'accomplissement de votre mission.
Nous allons comprendre, bien-aimés. Et ça, ça va nous aider à avoir de bonnes amitiés, de bonnes relations. Nous allons comprendre l'importance des amitiés dans l'accomplissement du destin. Mes frères et sœurs, j'affirme que pour réaliser ton destin, tu as besoin de vaillants hommes de toi. Tu as besoin des amis. Pas les amis de Facebook. Vous savez, il y a une fausse conception des amitiés. Tu cliques sur quelqu'un, là on dit il a 10 000 amis. Ça c'est décevant. Ce ne sont pas de ces amitiés là dont je veux parler. Parce que si on ne sait pas bien définir ces amitiés, on va se retrouver dans des déceptions de tout genre. Mes frères et sœurs, Dieu est de notre côté. Mais nous avons besoin de relations, de bonnes relations humaines pour accomplir notre mission. Dieu est de notre côté. Nous avons besoin de bonnes relations pour qui nous introduisent dans notre succès. C'est dommage quand les gens peuvent dire non, moi je suis venu seulement écouter Dieu, je suis venu voir Dieu, je ne vois pas un homme. Dieu agira dans ta vie en passant par des hommes. Si tu dis amen, j'ajoute quelque chose. Regardez. Dans le jardin d'Éden, au commencement, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais est-ce que l'homme était seul? Il était avec Dieu, non? Pourquoi Dieu n'a pas trouvé que du fait que l'homme est avec moi, ça suffit? L'homme est avec Dieu, mais Dieu constate et dit il n'est pas bon. Donc il n'est pas bon que tu sois seulement en relation avec Dieu, mais il va te faire une aide semblable. Ça, ça déjà, ça montre déjà que dans le destin que Dieu a pour vous, ton accomplissement a besoin et va passer par des hommes que Dieu va mettre à côté de toi. Ne t'enferme pas chez toi en disant je suis avec Dieu, ça me suffit. Je prie, je suis en retraite, ça me suffit. Je n'ai besoin d'avoir un homme, ça me suffit. C'est cela que Dieu dit, il n'est pas bon. Ça, c'est déjà un début où Dieu nous montre l'importance des relations dans l'accomplissement des desseins. Alors, tout ce temps, mes frères et sœurs, nous allons finir par avoir qui est le vrai ami de destin. Parce qu'il y en a qu'on croit être des amis de destin, mais c'est ceux qui vous retirent et vous détruisent par rapport au destin. Dieu va nous montrer les critères qu'il faut. Parce que le succès que vous devez avoir dans votre mission se trouve dans votre partenariat, dans vos relations avec des hommes. Nous devons finir, bien aimé, pour réussir par savoir monter de bonnes relations, parce que l'accomplissement de notre succès passe par là. Lisons un texte dans Jean 15. Jean chapitre 15. Nous allons lire du verset 9 au verset 15. Jean 15, 9 à 15, le Seigneur dit ceci. Comme le Père m'a envoyé, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Même Jésus, quand il est venu pour accomplir son destin, il a eu besoin des amis. Aimez-vous. Il n'y a pas, je reprends le verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Allez. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mes frères et sœurs, Bandekoubalingami, ceci est une déclaration du Seigneur qui est vers la fin de la mission. Je voudrais que chacun arrive à constater qu'en voulant faire des choses seul, il n'a pas loin. Estimez où est-ce que vous pouvez aller si vous faites tout seul. C'est pour cela que même Jésus, pour accomplir sa mission en Galilée, il a dû choisir 12 personnes pour l'accompagner dans sa mission. Ça, c'est déjà un signe pour dire que quand tu as un destin et une mission, il y a des gens avec qui tu dois t'unir pour accomplir cette mission. Et la Bible nous dit, du fait qu'ils devaient aller ensemble, du fait qu'ils devaient être en relation avec eux, il les a capacités. Il leur a donné la force afin qu'ils soient en mesure d'accomplir la mission. J'aimerais que chacun comprenne une chose. Quand tu as des vrais amis, cela signifie que tu dois les avoir pour jouer un rôle dans ta mission. Et parce que tu dois jouer un rôle avec eux dans la mission, fais tout ce qui est dans tes possibilités pour les capacités, afin qu'ils soient efficaces avec toi. Et vous avez vu, le Seigneur a pris pendant 3 ans et demi ses amis de destin, ces qu'il a choisi. Et du fait qu'ils voulaient qu'ils réussissent, que leur relation ait du succès, la Bible dit qu'il les a capacités. Donc même Jésus ne pouvait rien faire de lui-même et par lui-même seul. Sois conscient que tu as un destin. Sois conscient que tu as une mission. Mais sois aussi conscient que si tu agis seul, tu n'iras pas loin. Mais alors, avec qui le faire? Parce que c'est là aussi le problème. Lisons Matthieu 10, 1 à 4. Pour comprendre que Jésus a choisi les amis. Mais pour qu'ils soient efficaces, il les a capacités. C'est là même le besoin de l'onction, la nécessité de l'onction. Matthieu 10, 1 à 4. La Bible dit ceci. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Maintenant, on donne le nom des 12. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le cananite, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Mais à tous ces 12, Jésus a donné le pouvoir
Dès qu'il les a identifiés. Tant y a moni bango. Dès qu'il a vu que ça, ce sont les amis. Tant y a moni ki baza ba linga mi. Avec lesquels je vais agir dans mon destin. Bangone na ko sala musala ya nzambo atinda. Pour que nous puissions réussir, il les capacite. Sois prêt, bien-aimé frère et soeur, dès que tu as identifié les amis de destin, que tu fasses tout ce qui est dans ton pouvoir pour qu'ils soient capables. Parce que tu ne peux pas faire seul et j'insiste. Ecclésiaste dit deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. Je suis dans Ecclésiaste 4, verset 9. Malheur à celui qui tombe. De même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. Amen. Voilà, ici, mes frères et sœurs, nous sommes en train de devoir comprendre l'importance d'accomplir le destin, le plan que Dieu a pour nous. Mais en sachant avec qui le faire. Parce que Dieu est conscient qu'on peut être plus. Alors, à cause de cela, vous voyez que l'amour a une place de choix. L'amour, même dans le mot amitié, c'est de la même racine. Pour que nous puissions nous capaciter et accomplir la mission de Dieu. Je voudrais que chacun de nous, pendant cet enseignement et tout ce temps, comprennent une chose, que vos relations constituent la plus grande de vos ressources pour la réussite de votre mission. Je vais le reprendre. Les relations sont l'une des plus grandes ressources pour la réussite de votre mission. Et quand vous comprenez que vos relations sont l'une des plus grandes ressources de réussite de votre mission, vous devez faire quelque chose. Premièrement, il faut y investir en toute sagesse. Quand je comprends que quelque chose est une grande source pour ma réussite, j'y investis. Je le protège avec enthousiasme. Et je fais tout pour être amical avec ses amis. Quand je suis ami avec quelqu'un à cause du destin, je dois me faire une bonne idée de ce que c'est qu'un bon ami afin de l'être à son endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire amen? Amen. Le conseil d'un ami font du bien au cœur. Vous savez ce que la Bible dit? Allons rapidement dans Proverbe 27, verset 9. Proverbe, chapitre 27, verset 9. Pour que nous comprenions l'importance et que les relations, les amitiés sont une grande ressource pour notre réussite. Investissons-nous dedans. Protégeons-les. Et avançons avec le Seigneur en étant le meilleur ami possible qu'on doit être pour ses amis. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Alléluia. Proverbe 27, verset 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur.
Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Amen. L'huile et le parfum réjouissent le cœur. Ma fouta peut parfait se pesa kamotem. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Et ça la kakitok. Est-ce que vous comprenez la place et l'importance de cette amitié? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez, pendant que nous sommes en train d'avancer dans cet enseignement, que vous puissiez méditer sur une chose. Comme un devoir. Et ça va vous aider à orienter des prières envers Dieu. Est-ce que j'aime les gens comme le Père m'a aimé? C'est important, il faut s'arrêter un moment. Est-ce que j'aime les gens comme le Père m'a aimé? Il faut se poser la question, comment est-ce que je traite ceux qui sont plus proches de moi? Comment est-ce que je traite mes proches? Il y a des moments où les difficultés et les problèmes que vous connaissez dans la vie sont dus à la mauvaise qualité de vos relations. Je veux qu'on comprenne bien cela. Il y a beaucoup de problèmes que nous connaissons dans la vie. Beaucoup de conflits que nous avons dans la vie. Du fait de la mauvaise qualité de nos relations et de nos amitiés. Alors, pour régler ces questions-là, c'est pas seulement la prière qu'il faut. Il faut régler la question de ces relations. Et il y a un lien important avec le destin, et ça c'est important. Nous devons avoir la joie. Le Seigneur dit dans le verset que nous venons de lire, c'est pour que votre joie soit parfaite. Vous êtes mes amis. Quand à un moment donné, nous menons une vie toujours de tristesse, toujours de douleur, une vie qui manque de joie, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là avec l'amour que Dieu nous a manifesté. Et le fait qu'il a fait de nous ses disciples, ses amis, la Bible dit que si vous mettez en application mes paroles et mes paroles, en fait, si vous bâtissez sur le fondement solide, votre joie sera parfaite. Mais pourquoi cette vie toujours terne, cette vie toujours triste? Pourquoi n'expérimentons pas cette plénitude de joie? Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à jeter un coup d'œil à nos rapports et à nos relations, de sorte que nous menions une vie équilibrée, une vie de joie. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire amen? Amen. Quand j'analyse le texte que nous venons de lire, je viens de terminer l'introduction parce que j'ai voulu que vous compreniez l'importance des relations dans l'accomplissement du destin. L'importance du fait que les relations, les amitiés sont des grandes ressources pour votre réussite. Alors, nous devons maintenant être à mesure de nous former des amis de qualité. La qualité de nos amis, vous allez bien le comprendre dans la suite, est liée à la joie que cela nous apporte et à l'accomplissement de notre mission. Le texte que nous venons de lire de Jean 15
nous donne, si vous l'analysez de près, le vrai critère d'une bonne relation amicale de destin. Oh, bon, il faut que j'explique ça encore. Le critère d'une bonne relation d'amitié pour réussir dans la mission. Même la joie. Où il y a le vrai amour. Il y a ce que j'ai appelé le critère triple I. Ils ont beaucoup na bengi critère triple I. I trois I. Bah I misat. Je fais souvent ces contractions pour aider à retenir l'essentiel de ce que nous avons. En lisant ce texte, je propose que vous allez le relire, méditer, parce que nous étudions la Bible. Il y a premièrement le I comme imitation. Imitation. Comme cola. Deuxième I, immolation. Ils allaient penza comme tumba. Immolation. Comme tumba. Et le troisième I, intelligence. C'est mayele. Imitation. Comme cola. Immolation. Comme tumba. Intelligence. C'est mayele. Le critère triple I d'une bonne relation de destin. Tu vis mon boko ya ba imisa to po na boka ni malamu po na lobi na yo ya malamu. Le Seigneur dit, kola lobi. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Na linga bino le quoi tata linganga alinganga. Aimez-vous aussi les autres, les uns les autres comme je vous ai aimé. Po linga ba linga pe le quoi tata na linga bino. C'est de l'imitation. Ils allaient comme Mekola. Faire comme. Kosala lokola. Parce que je sais que je ne peux pas aimer vraiment comme Jésus. Na la même perfection que Jésus a aimé. Na kotondi sa malokwa Yesu alinga kibiso. Mais je dois dans mes relations. Mais na katia buluka na za ona bato. Voir comment Jésus a aimé pour l'imiter et aimer comme lui. Kotala lingini Yesu alinga kipona mekola epona linga lokola ye. Dans mes relations, je dois faire comment pratiquer l'amour divin comme Jésus l'a aimé. Imiter Jésus. Mes frères et sœurs, si vous voulez ces relations bien réussies, quand vous les avez identifiées, nous allons voir plus tard comment identifier ceux qui ont. Parce que tous ceux qui s'approchent ou s'attachent de nous ne sont pas nécessairement nos amis de destin. Nous allons voir comment Dieu va nous aider à identifier pour avancer. Je vois dans la Bible le cas de quelqu'un qui a imité l'amour divin, c'est David envers Saül. Si vous lisez les Saintes Écritures, vous allez voir que malgré tout le mal que Saül avait voulu faire à David, malgré le fait qu'il voulait le tuer parce qu'il sentait déjà qu'il va prendre le pouvoir, mais quand Saül est mort de la manière dont nous connaissons, écoutez ce que David fait. En imitation de l'amour divin. Aimer comme Dieu nous a aimés. Il dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Il n'a pas regardé tous les mots. Toutes les tentatives pour le tuer. Y a-t-il encore dans la, quelqu'un de vivant dans la maison de Saül pour que je lui exprime la bonté? Que
Quelqu'un d'autre aurait dit, mais il est parti, hein, il est mort, il croyait quoi maintenant? Et il est exterminé. Laissez-moi affirmer ceci. Pour la réussite de votre mission, vous avez besoin d'être entouré de gens qui vous aiment en imitant Dieu. Pas des opportunistes. Mais les gens qui sont là, qui vous aiment de l'amour de Dieu. Moi, quand nous chantons je t'aime de l'amour de Dieu, c'est si on comprend vraiment ce qu'on est en train de dire. En parlant de ce critère, le deuxième I a mis Bali. Immolation. Komitumba. Tout cela est dégagé de ce que nous venons de lire. Il s'agit là de sacrifice. Il n'y a de meilleur amour que de donner. Il n'y a de si grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie, c'est-à-dire s'immoler, se sacrifier pour ceux qu'on aime. Pour la bateau yo lingi. Il faudrait que nous puissions tout comparer à ce critère triple I. Et ben, si nous voulons apprécier une relation de destin, j'insiste que quand vous allez avoir besoin d'une action divine dans votre vie, Dieu passera par les hommes pour sauver les Juifs. Dieu s'est servi d'Esther. Nzambe a salaké Esther. Et Mardoché. Et Mardoché. Des hommes. Bateau. Pour guérir les malades et chasser les démons. Pour la copie qui s'abat malade peut couper la bataille. Cela ne vaut pas le ciel et dit démons partez. Démons abîma. Il va se servir des hommes. Il y a salé la cané bateau. Pour faire toutes sortes de miracles, Dieu passe par des gens. C'est pour vous dire que vous ne pouvez pas vous passer des autres. Entre toi et ton miracle, je le dis toujours, il y a un homme loin qui doit intervenir. En fait, il y a une relation qui doit s'établir. Vous savez, quand je vois ce que Dieu fait, écoutez Juges chapitre 3, verset 9. Juges chapitre 3, verset 9, la Bible dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Vous criez à l'Éternel. Il vous libère, mais il suscite un homme par qui il va vous libérer. Vous avez des besoins que vous présentez à Dieu. Mais il va susciter un homme. Et à cause de vos desseins. C'est pour cela que le Seigneur dit, j'ai des projets que j'ai pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais tout ce que Dieu a à cœur et qu'il a planifié, il va vous le faire par, en passant par un cercle des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voulez des bonnes relations pour une mission réussie. Si vous devez satisfaire le deuxième I de ce critère, de relation, le critère de l'immolation, soyez prêts à vous sacrifier pour ceux de vos relations de destin.
Soyez prêts à même livrer votre vie pour ceux que vous aimez. Mais ça veut dire en d'autres termes qu'à un moment donné, ce n'est pas seulement se faire tuer pour eux. Vous pouvez concéder dans certaines opinions. Vous pouvez encaisser et même vouloir perdre à leur avantage. Et ça, ça signifie que vous devez vous préparer à savoir partager. Au lieu de vous accrocher à vos désirs personnels, mais vous céder, vous lâchez, vous encaissez, et même vous subissez, juste parce que vous vous immolez pour ceux que Dieu met à votre côté pour votre destin. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Jean 13. Allez avec moi rapidement dans Jean 13. Nous sommes au critère de relation réussie de destin. Le critère triple I. Imitation de Dieu. Immolation. Céder pour les autres. Sacrifier pour les autres qu'on aime. Afin d'avancer. Pendant que nous en parlons, il faut que tu te dises, est-ce que je suis prêt à cela? Et si ça n'est pas possible, demande à Dieu de faire quelque chose. Qu'il aide à ce que non seulement tu remplisses ces critères, mais qu'il mette autour de toi des personnes prêtes à remplir ce critère. Parce que nous avons compris qu'il est impossible d'accomplir sa mission seul. Lisons Jean 13, 33-37. Ici, nous voulons voir comment la Bible nous montre que le sacrifice est un critère de vraie relation amicale. L'immolation est un critère essentiel de relations amicales de destin. Jean 13, 33-37, la Bible dit: mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Simon-Pierre lui dit: « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit: « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie. Je m'immolerai. Je me sacrifierai pour toi. Alléluia. Amen. Donc, les deux premiers critères I que nous venons de voir. Prie et demande que Dieu t'aide. À les avoir dans ta vie, tu es un homme et une femme de destin. Dès que tu as identifié ces hommes, ces personnes, prie que Dieu te donne de satisfaire à ce test d'immolation pour ceux qu'on aime. Parce que c'est important et c'est comme ça que Jésus a vécu. Le troisième I,
C'est intelligence. Ezali mayel. I comme intelligence. I otolobi lokwa mayel. Les vrais amis partagent de l'intelligence. Banina malamba kabola kamayel. Si quelqu'un dit amen, je vais ajouter quelque chose. Amen à Bakissi. Dites un peu mieux que cela, amen. Amen, madame. Bien aimé, dans le contexte de ce que nous venons de lire, l'intelligence fait allusion à la confiance de partager les informations que nous pouvons appeler classifiées. Qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Jésus dit à ses disciples, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je ne vous appelle plus serviteur. Pourquoi vous n'êtes pas serviteur? Parce que vous êtes ami. Pourquoi êtes-vous ami? Parce qu'un serviteur n'accède pas à certaines informations de son maître. Le serviteur n'a pas l'intelligence de ce que son maître fait. Mais à vous, je livre, je révèle des secrets. Mais frères et sœurs, si vous voulez vous assurer que vous avez de bonnes relations de destin, est-ce que vous satisfaisez à cette triple I critère de test? Est-ce que vous avez accès aux informations classifiées? Est-ce que vous avez Alléluia. Amen. Les amis se donnent des informations et protègent ces informations. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je dis que les amis se donnent des informations classifiées et ils les protègent. Des informations que Jésus dit on ne peut pas les donner aux serviteurs. Alléluia. Amen. Il faut se dire bien-aimé. C'est pour cela que Jésus parlait à ceux qui n'étaient pas ses amis en parabole. Alors on lui posait la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Au lieu de dire des choses clairement. Alors il dit, mais le pain qu'il faut donner aux enfants, il ne faut pas donner aux enfants. Alléluia. Amen. Il faut que vous puissiez comprendre, mes frères et sœurs. Faites attention avec qui partagez certaines informations. Ne partagez pas vos informations avec n'importe qui s'il n'est pas de cette catégorie d'âmes. Amen. Amen. Il y a des choses, mes frères et sœurs, que une fois que quelqu'un de votre cercle de destin qui satisfait à ce test triple I, il y a des choses qu'il fait, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce que tu peux dire? Amen. Écoutez Proverbe 11, verset 13. Proverbe, Proverbe chapitre 11. Le verset 13. Proverbe 11, 13, la Bible dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle fait quoi? Les garde. Vois seulement les gens avec qui tu es en route pour l'accomplissement de la mission. Comment gère-t-il ce que vous pouvez appeler secret? Il déborde et même dans les calomnies. Mais celui qui aime, celui qui est fidèle, il est discret. Il sait que je ne peux pas dire n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment.
C'est pourquoi le Seigneur me conseille en disant ceci, Matthieu 7:6. Matthieu chapitre 7 verset 6. Il faut bien-aimé que nous puissions tenir ceci au sérieux. Parce que nous voulons voir Dieu accomplir sa mission de bonheur dans notre vie. Matthieu 7:6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Est-ce que Jésus a insulté les gens? Non, c'est. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ne se retourne et ne vous déchire, vous. Bien-aimé, ce critère triple I est très important. Imitation de Dieu. Immolation, sacrifice pour ceux qu'on aime. Et accès à l'information spéciale. C'est très important de le comprendre. Parce que là, vous saurez quoi faire pour qui. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est très important de comprendre que nous devons être imitateurs de Dieu. Posez-vous quelques questions. Pour vous pousser à demander à Dieu certaines actions. Est-ce que je suis imitateur de Dieu dans la manière dont il m'a aimé envers les autres? Et est-ce que ceux qui sont autour de moi me réciproquent cette imitation de Dieu? Et si vous répondez à ces questions honnêtement, vous allez bien découvrir quelles sont les relations de destin et lesquelles ne le sont pas. Pensez-y et posez-vous encore cette question. Est-ce que les problèmes et les difficultés que je connais maintenant ne sont pas dus au fait que j'ai partagé mes informations avec des fausses personnes? Moi, je pense que la marche de Joseph pouvait être différente s'il avait partagé ses visions ou n'avait pas partagé ses visions avec des fausses personnes. Nous allons le voir plus loin, bien-aimés. Dieu nous dit d'aller aux extrémités de la terre et d'affecter le monde. Et ça, ça doit nous pousser à cesser d'être d'une mentalité locale, tribale, régionale. Qui peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Parce que Dieu te dit d'aller aux extrémités de la terre. Mais si tu es tribal ou tribaliste, tu trouves ta tribu là aux extrémités de la terre. Oh, je vais rentrer à ma base, je vais rentrer à ma base. Est-ce que vous aurez la base là-bas? Bien-aimé, Dieu va se servir de n'importe qui pour nous bénir. Et nous devons bien le comprendre. Si tu as compris ce critère de triple I, prie que Dieu t'aide. À savoir développer ton cercle intime. De la relation de destin. Le cercle qu'on peut appeler rapproché. Mes frères et sœurs,
Quand nous comprenons ceci en disant que Dieu va se servir des hommes, cela ne vous devra pas vous pousser à aller dire je vais chercher des amis à gauche à droite. Comme je le dis là, il y a des gens qui sont fiers d'avoir 10 000 amis sur Facebook. C'est faux. Les appeler amitié, ce ne sont pas des amitiés. Je ne sais pas qui est-ce que vous faites accéder à vos informations. Mais pour distribuer l'évangile et les gagner, ouvrez ces portes-là. Mais ne vous séduisez pas en croyant que j'ai des amis. On ne choisit pas les parents, mais les amis, on les choisit. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Écoutez ce que Proverbe 18, 24 dit. Proverbe 18, 24. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Amen. Tu n'as pas trouvé, dis Alléluia. Proverbe 18, 24. La Bible dit quoi? C'est lui qui a beaucoup d'amis. Les a pour son bonheur. Non. Azala bango. Pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Ça, c'est pour dire, c'est vrai que notre mission doit passer par des hommes. Par des relations avec des hommes. Par des amitiés. Mais cela ne veut pas dire faites de tout le monde les amis. Aimez tout le monde, mais ne devenez pas amis de tout le monde. Mais il y a un tel ami qui est plus attaché, accroché qu'un frère. Si vous analysez même la marche de votre vie, vous verrez qu'il y a certains bienfaits que vos amis vous ont fait, que même aucun membre de votre famille n'a fait pour vous. Mais la Bible dit, elle est claire là-dessus. C'est lui qui a beaucoup d'amis. Il les a pour son malheur. Nous pouvions nous arrêter pour dire comment est-ce que beaucoup d'amis nous pouvons les avoir pour le malheur. Mais bien aimé, je voudrais faire quelques déclarations. Nous n'allons plus haut que de la hauteur de ceux qui nous entourent. La hauteur à laquelle nous pouvons monter est fonction des gens qui nous entourent. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le niveau où tu es dans la vie est fonction des gens qui sont autour de toi. Yango elandi sami na bato baza pembe na yo. Influent d'amis. Bonito pona bato baza ko tindika biso ya balinga ya malamu. Sachant que le cercle que nous devons avoir pour notre destin. Natina te koyé baza na bato malamu pona lobi malamu na yo. Doit être de ceux qui participent à notre bâtissement, à notre affermissement, plutôt que de ceux qui sont là pour nous détruire, pour nous casser. Ça doit être de ceux qui nous construisent, qui nous aident à marcher dans ce destin, plutôt que de gens qui sont autour de vous pour vous tirer vers le bas. Des gens qui sont pas une perte, mais un apport. Je peux vous poser la question de savoir, quand j'étais comme ami de la vie, qu'est-ce que j'ai reçu? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et toi-même, tu peux te poser la question.
Quand elle mourra comme ami, qu'est-ce qu'il aura reçu? Soki motoboye azunga moninga na ye akozwa nini na kati na ngai? Parce que il y a des personnes, je vous assure, bien-aimés, telles que en les ayant eu comme amis, vous regrettez le jour d'avoir eu ces amitiés-là. Ne vous y trompez pas, dit la Bible. 1 Corinthiens 15:33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises amitiés. Baninga ya mabe, les mauvaises compagnies. Baninga ya mabe, corrompa. Ba bebisaka, les bonnes mères. Baninga ya malam. Dis à ton voisin, tu es une valeur. Yoza motona motuya. Dis-le lui encore, tu es une valeur. Oza motuya. Dans la vie de quelqu'un pour son na destin. Bon na lobi malam. Est-ce na qu'on ne peut pas acclamer le roi de rois? Bete l'anzambe maboko makasi. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que quand je vois tout ce texte-là, c'est lui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Alors si quelqu'un dans ma vie, je l'ai pour le malheur, est-ce que je peux l'appeler un ami? Parce que le projet de Dieu n'est pas un projet... Malheur. Alors toi tu deviens mon ami pour le malheur. J'affirme ceci bien-aimé. Toute personne qui s'unit à vous n'est pas nécessairement un vrai ami à vous. Je reprends. Toute personne qui va s'unir à vous n'est pas nécessairement un vrai ami à vous. Et ça, ça devient ça commence à être intéressant. Nous devons ainsi, par la sagesse de Dieu, comme je l'ai dit, savoir détecter les différences entre les personnes qui viennent et qui veulent s'attacher à nous. Nous devons être en mesure de détecter les intentions cachées ou non cachées de ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Amen. Nous devons le faire, bien-aimés. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 22, 24 et 25. Je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons continuer, c'est capital, cet enseignement, bien-aimés. J'ai dit que ça va vous affecter le reste de la vie. Parce que vous allez prendre des décisions qui s'imposent. Pour votre mission et de Dieu, son bonheur va passer par les hommes, mais les hommes qu'il faut. Écoutez ce que Proverbe 22 nous dit. Proverbe 22, 24 et 25. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Il ne faut pas s'habituer aux mauvaises compagnies. Les hommes colères, les hommes tout cela violents, c'est des mots pour dire des malfaiteurs. Si tu les fréquentes, si tu en fais des amis, tu es en relation. Le mal que tu peux détecter maintenant, tu le trouveras normal. Et tu vas tomber dans le piège et automatiquement le fer aiguise le fer. Tu deviendras aussi malfaiteur. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais, comme en conclusion, dire ceci pour aujourd'hui. Il y a quelque chose que Dieu prévoit de nous donner au travers, à part des hommes.
Mais il faut trouver ces hommes. Il faut identifier ces hommes. C'est important. Quand vous lisez Luc 6, 38, que nous lisons souvent pour les offrandes, la Bible dit, donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, secouée serrée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Les hommes là, ce sont les hommes. Et dans les versions anglaises et autres, on dit, donnez et vous sera donné par des hommes. Donc Dieu veut nous bénir, mais il y a des bénédictions qu'il veut nous donner par les hommes. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Acclamons le Seigneur en nous tenant debout. On acclame en se tenant debout et en poussant des cris de joie. Bien-aimé, pendant que tu es debout, commence à te poser la question, est-ce que je réponds au critère triple I? Est-ce que je ne suis pas ce que je suis à cause des gens autour de moi? C'est important, mes frères et sœurs, si vous répondez à ces questions, votre vie va changer. Oui, que le Seigneur nous aide à savoir imiter Dieu dans la façon d'aimer. Et que même, il n'y a pas que nous qui devons aimer, mais ceux qui sont autour de nous, qu'ils imitent Dieu dans leur façon de nous aimer. Qu'on puisse être en mesure de céder, de se sacrifier, de s'immoler pour ce qu'on aime. Si vous regardez l'histoire des vaillants hommes de David, c'est des gens qui, pour que David boive de l'eau, pouvaient aller dans le camp des Philistins. Risque de leur vie et du sang qui pouvait couler. Mais parce qu'ils aimaient et ils voulaient que le destin de cet homme s'accomplisse. Il y a des informations que vous ne pouvez pas donner comme du pain au champ. Est-ce que vous ne connaissez pas les problèmes que vous connaissez pour avoir partagé les informations avec les fausses personnes? Comment est le groupe restreint de gens autour de vous? Bien-aimé, le Seigneur Jésus a nourri des foules, 5000 et plus. Il a guéri les 70 et les a envoyés en mission. Il a appelé les 12 pour être des disciples. Et à la montagne de la transfiguration, il n'en a amené que 3. Ceci pour dire, plus vous montez, plus le cercle des gens autour de vous diminue. Alléluia. Oh mon Dieu. Dans votre destin, vous êtes appelés à monter. Et plus vous montez, moins devient les gens autour de vous. Mais vous devez être en mesure de les identifier. Nous le verrons et approchons. Demain, on va continuer. Acclame très fort le Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, par vos propres mots, demandez à Dieu la sagesse de savoir développer votre cercle rapproché d'amis. Les amis de destin.
dans le propre mot et avec ce que vous venez de comprendre. Vous avez compris l'importance qu'il y a d'être en relation pour la mission. Vous avez bien compris que Dieu vous bénira, mais ces bénédictions passeront par les hommes. Et vous avez aussi compris qu'en vous faisant trop d'amis, vous pouvez vous attirer le malheur. Alors que faire si ce n'est par la sagesse de Dieu? Ces amitiés même passent même par les relations de mariage. Parce que mari et épouse et époux, ce sont les amis les plus appelés à vivre tous les jours ensemble. Et si vous commettez une gaffe dans ce domaine, mais vous aurez un problème de destin sérieux. Mais Dieu voudrait que tu puisses te faire autour de toi les amis qui vous font accéder au bonheur et à cet avenir de Dieu. Et tu peux prendre une minute pour parler à Dieu. La sagesse pour le cercle rapproché d'amis de Dieu. Dieu a un plan, il a des pensées pour vous. Solo ya campagne pété.